La faim est un signal d'alarme. Pour jouer leur rôle, les aliments ne doivent évidemment pas se contenter de remplir notre estomac. Ils doivent parvenir dans chacune de nos cellules. La nourriture est transformée dans le système digestif et transportée par le sang dans tout l'organisme. Quand il y a pénurie d'éléments nutritifs dans les cellules, le cerveau déclenche une série de réactions. Du nez, de la bouche et du ventre, nous parviennent des messages nerveux. On a faim. Quand on mange, les muqueuses de la gorge et de l'estomac enregistrent la quantité de nourriture qui passe et préviennent le cerveau. La faim cesse. Mais il arrive qu'une émotion dérègle ce beau mécanisme. On peut alors manquer d'appétit ou beaucoup trop manger.